On peut tester le micro? Bah, tu peux parler soit t'es la voix. Puis je vais juste écouter, tu peux parler genre 2 minutes. Tu veux essayer? On est encore en train de faire des tests pour le micro. On espère que ça va marcher. Très bien. J'espère que vous en avez. Merci. Thank you.
faire pendant ce match. Vous entendez bien, it was closed or open? Talk, Carol, please. Talk. Talk, Carol, please. The other day it was in the one or in the two? There. So it wasn't the same? Talk, Carol. Yeah. Demandez maintenant quand l'équipe ça va être mieux que vous avez pu faire. Parce que lui, il faut avoir bien couché.
It's not really what they have on it. Il devait partir. Hein? En essayant un peu les tests, On entend mieux quand tu parles vers le. Essaye de parler vers le micro. Vers le. Voilà? Ouais. Mesdames et messieurs, j'accueillerai la fin de thèse de la dévotion. En ce moment, on va travailler la saison 2020-2021. Nous posons une vidéo sur à Raphaël Zahir et à Corée Courbière. Et voici donc les équipes. Pour les Tokyo-Kun et la numéro 10, Laura Condotta. Nous avons fait le petit costume de la numéro 16, Tia Scarlet. Les amis de la rencontre sont M. Michel Spadley. Deuxième arbitre, M. Marcel Sibé. Nous souhaitons beaucoup de plaisir pour ce premier arbitre. Sont M. Jean-Marc Moutonon et M. Nathanaël Caton. Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux spectatrices et spectateurs et un match marqué par le respect pour tous les coureurs et toutes les équipes, la mobilière et partenaire premium de Swiss Volley. Les équipes vont débuter la partie de la composition suivante pour le iPhone et pour l'Interbook, la numéro 3, Mélana Cotton. La capitaine numéro 10, Laura Cotton. La numéro 12, Alain Cagny. La numéro 14, Martina Cotton. Et la Cotton, la Robinière, Gabriela Machakowski. La numéro 6, Romina Spiller. Le coach de ce master de l'Université de Thank you.
Bon, j'espère maintenant que vous m'allez l'entendre. On est en train d'essayer que tout va marcher. On espère que maintenant ça marche. Donc, de commencer ce match. Et puis, vous allez avoir une commission. On commence un match. Super réception qui nous permet de jouer très vite ce jeu de nuit. Le jeu, on est sur la situation. Bien sûr, on est sur la situation. On est sur la situation. On est sur la ça met l'autre équipe en difficulté, ce qui nous permet de jouer un coup de l'eau. Joli attaque à Tina avec une touche de Martina. Bien joué!
Encore eu ça, ça permet que Julie elle attaque sur sa position et puis Caio attaque sur la sienne. C'est un très bel échange des deux équipes. Super défense par Mathilde. Super attaque de Julie. On voit que Luc essaie à jouer un peu de tous les côtés pour enlever. Pour faire un peu difficile pour l'autre équipe pour savoir où ça vient. C'est très bien joué par Olivia. Ce service, il est out. C'est 11 à 10 pour le NUC. Super réception de Kyra. Ça nous permet de jouer rapide. L'autre équipe a mis le bloc super bien. Bien suivi. Cheval, il est out. 12 à 10 pour le NUC. On voit que Token Blue se bat beaucoup, il relève beaucoup en défense. Ça travaille beaucoup après en attaque. Joli service de Martina. C'était bien joué, malheureusement peu out, mais je dis pas grave. 12 à 11 pour Vitéo Snook. I also want to welcome all the American or English-speaking person who watched this game. We're in the first set, 12-11 for NUC. I try to speak a bit English sometimes so you can hear both
Jolie réception. On jouera plutôt centre. Bien joué, Totokenbouf. Ils ont 1000 blocs. Ça nous a mis en difficulté. 12 à 12. On essaie maintenant directement de s'en sortir avec le premier side-out. Out, point pour le nuque. On voit, ils essaient vraiment à servir sur nos deux ailières pour les enlever du jeu. C'est un peu comme toutes les équipes. Dès qu'on sert sur les ailières ou les attaquants principaux, ça le met un peu en difficulté. Bien servi par Julie. Ah, jolie attaque par la numéro 10, la capitaine. C'était vraiment une bonne attaque. Bien joué par la ligne. 13-13. Voilà, ici aussi, il cherche Kaira, mais une bonne recette. Elle a essayé à taper la petite diagonale. Normalement, ça marche. Maintenant, une fois une faute. 13-14. Tokenbouf, elle a pris le lead de 1 point. Oh, joli service. L'équipe continue à chercher. Oh, super beau lever ce point, magnifique. Mathilde, elle était prête, elle a fait une super cover. Cover, ça veut dire dès qu'il y a un bloc, on relève la balle. C'était très très bien joué. 14-14. Super service. Le Nuc, c'est une équipe qui est connue pour ses services très forts. Ça met beaucoup des équipes en difficulté. Magnifique attaque, c'était très bien joué. Tiel a trouvé le super angle 3 mètres. C'est pas toujours facile parce qu'on est quand même loin du filet. On arrive souvent à faire des bons points. Voilà, pas direct par le service de Tia. Magnifique, ça nous met au deuxième technical timeout. Second technical timeout for the Nuke, 16-14. Both teams play a hard game. They do a lot of defense and hitting. Nuke is leading 16-14. Les deux équipes reviennent sur le terrain et puis on se prépare. Il y a encore un petit peu de temps pour le timer. Ça reprend 16-14 pour le Nuke. Replay, il y a apparemment les arbitres qui n'étaient pas encore prêts. Et puis il y a la chasse service, donc on attend encore une fois le service. Super bon service. Luc essaie aussi à servir beaucoup sur le 10. C'est l'attaquant principal. Jolie défense. On essaie à jouer rapide un peu. Super beau défense de Mathilde. Et puis malheureusement, l'attaque se trouve en dehors. C'était bien joué. Nuc souvent P3, ça veut dire la passe c'est aux positions 3. Donc on a deux attaquants devant. Jolie défense par Julie. Il a dit ce qu'il tape out, il manquait pas beaucoup, mais le juge Tonin a montré out. 17-15 pour le Nuke. Bon mot choisi par Tokenburg. 17-15 for Nuke, first time out by Tokenburg. Both teams played really a good game. It's a fast game that they're playing with a lot of defense and good action. It's really a nice game to watch. Yeah.
Et on revient sur le terrain, 17-15. On va maintenant Tokenburg se trouve au Béga, ça veut dire elles ont aussi que deux attaquants, ça veut dire devant, ça veut dire le 5 et le 10 peuvent attaquer devant. Joli service. Pile numéro 5, Mathilde Joanna qui met le point pour Tokenburg. Malheureusement, Julie, elle était un peu en retard et puis ça a plus pu monter. Voilà, nous on paie 2 avec le nuque. Joli service. Il continue à servir sur Kyra, mais là c'était une bonne recette. Et puis nouveau, une attaque super de Kyra avec la petite diagonale. Joli service, ça met l'autre équipe en difficulté. Et puis c'est le top scorer qui a attaqué. Là, on a essayé de jouer rapide après une défense. Malheureusement, le timing n'était pas si correct. La passe était un petit peu proche, mais ça a quand même marché. Ça peut marcher, c'était pour une fois une faute, ça arrive. 18 à 17 pour le nuque. On est en P1, ça veut dire Kyra l'attaque au 2. Et puis Julie en 4. Au technique, tu passes. Elle a glissé un peu dans les mains d'Alivia. C'est des fois très dur pour les passeuses quand les joueuses transpirent. Ça, la balle, elle glisse vraiment. 18-18. Super réception de Mathilde qui nous permet de jouer rapide avec une super attaque de Kyra par la position 2. Au Tokenburg, on se trouve au P2, donc il y a deux attaquants devant. C'est nous une position où on peut pas mal scorer. La défense. Malheureusement, faute filet. Pas si clair. C'est des fois pas si facile pour les arbitres à voir, ni pour les joueuses. 19 à 19. Belle réception avec une super attaque de Julie. Mais Tokenburg, c'est pas très bien et puis défend beaucoup, beaucoup de balles. Voilà, point pour le Nuque, c'était un joli échange. Les deux équipes se battent beaucoup pour leurs points. C'est des attaques fortes des deux côtés qui viennent. Martina qui met un service très fort sur la jeune attaquante numéro 12. Mais Tokenburg arrive à scorer avec la 10. Qui fait aussi partie de l'équipe Beach du Canada, 20 à 20. Il y a un peu une erreur communication, c'est des fois très dur au volet quand ça va vite. Oh, joli échange, joli bloc, et puis super cover. Mais là, la top score du Tokenburg a mis un bloc à Tia. C'est joué très rapide. 20-21, donc Tokenburg prend le lead. On cherche Julie en attaque qui nous met une attaque incroyable sur la ligne. Elle a vu qu'elle avait de la place et puis elle a mis une bombe. Très bien joué. On espère que maintenant le Nuque peut scorer avec ses services et revenir. 21-21. Oh, yeah. Jolie attaque par Lauren Page. Il y a des discussions avec l'arbitre, de pas si clair si les joueuses étaient en train de faire des chaussures.
ou pas. 22-21. Deuxième temps mort, choisir par Token Book. 22-21. Mitiosnik is leading. It's a hard game. Token Book defends really a lot of balls and gets back in great actions. Make it not easy for Nuke to score. It's a really beautiful game of both sides. Nuke is taking the lead by 1 point now. We hope they keep pressuring. Super service. Incroyable défense de Mathilde Engel qui nous permet un jeu rapide. Mais malheureusement, la top score était là. C'est un bel échange. La numéro. La top score 1 de Dockenburg, Masagowski Ariela qui vient de Pologne. Elle a joué en Pologne l'année passée. 22-22 des deux équipes. Là, chercher Kyle à nouveau au service. On essaie à mettre au point. C'était bien joué par Kyra. Elle enlève du top scorer avec une feinte, comme ça elle ne peut plus attaquer. Des fois, d'enlever des joueuses et puis dans des situations compliquées, ça permet à mettre après les points. C'était très bien joué du Nuke. 23-22. Bien servi de Tia. C'est la libéro qui va faire la passe. La libéro, c'est une ancienne une ancienne joueuse du Nuke. Et puis c'est de nouveau la top score de Tokenburg qui marque le point. 23-23. Voilà, c'est important maintenant à ne pas devenir nerveuse. C'est souvent dur auto-joueuse. Elle fait un service champ. C'est des fois pas si facile parce qu'elle tourne beaucoup. Voilà, bien sauvée par le Nuke. Super bloc. Puis on nous joue gratuit, ça nous met. On arrive à jouer rapide sur les balles gratuites. Et puis effectivement, Kyra arrive à mettre le point. La situation des free balls, des balles gratuites, il faut les utiliser et jouer rapide. Comme ça, l'autre équipe, c'est très dur à fermer le bloc complètement. Très bien joué par le Nuke. 24-23, premier point du set pour le Nuke. Super service, ça met l'équipe en difficulté. Il y avait un petit problème de communication. Premier set pour le Nuke qui gagne. Les matchs passés, vous avez vu que le Nuke et puis les autres équipes n'ont pas changé les côtés. C'était de nouveau choisi parce que ce n'était pas encore si clair par le Swiss Volley. Du coup, les deux équipes changent de nouveau les côtés. Voilà, le Nuke, ils ont gagné le premier set, 25-23. C'était un match, c'était un set très chaud, mais à la fin, Nuke a gagné. This first set, Nuke won 25-23. It was a tough set. The other team really fights well. Tokenburg, it's a great game. Beautiful changes, beautiful rallies. Je vous donne un peu des facts. Dans l'équipe de Tokenburg, il y a trois étrangères. Il y a la 17, Renko Ilić Rudi, qui vient de Croatie. Il y a la top scorer, Masegowski Gabriela, qui vient du Pologne. Et puis la capitaine 10, Konata Laura, qui vient du Canada. C'est une équipe très jeune en général, mais elles se sont beaucoup améliorées l'année passée. Elles ont joué
Leur dernier match contre Esch, c'est qu'elles ont perdu malheureusement 3-0. Le NUC, toujours avec les 4 américaines, Kyra Holt, Levant, 16, ou la top scorer, Tia Scambry avec le 6, Lauren Page, et puis Amanda Manson avec le numéro 10. Notre dernier match du NUC, on a pu gagner 4-7 à Genève, ce qui nous a permis de mettre 3 points. Les deux équipes se préparent pour ce deuxième set. Et voilà, c'est la reprise du deuxième set. Nous, on a la 6 du NUC, c'est avec le numéro 5 Kiara Petit. On est très contente de revoir Kiara qui est revenue après une grande blessure l'année passé, ça fait plaisir de revoir sur le terrain. Tokenburg a aussi fait des changements. De nouveau à la passe, c'est la numéro 17. Super service qui met directement l'équipe adversaire en difficulté. Bien joué, puis c'est un super échange. Malheureusement, avec une faute technique, on touche le filet. Premier point pour Tokenburg. Started the second set. New in our team, number 5 for Luke. And in Tokenburg, number 17. The first point goes to Tokenburg. Super réception par Mathilde. Et puis, ça nous permet de jouer avec le centre. C'est très important dès qu'on peut jouer avec le centre, qu'on utilise nos centrales. C'est avec les centrales, on nous ouvre très rapide et puis ça nous permet de marquer des points. On cherche toujours la 10. Alors on a une balle gratuite. Puis, c'est un beau bloc. Super bloc de Lauren. Il y avait pas mal d'échanges dans ce bal, mais là, le NUC décide le bloc pour eux. Toujours Martine au service, 2-1 pour le NUC. Bien levé. Oh, jolie attaque Tia. On voit que Olivia l'a joué très rapide, même si elle n'était pas dans la meilleure situation, mais c'était un très belle passe et puis ça permet de mettre un point pour Tia. Ah, jolie réception du Tokenburg. On arrive à bien défendre. Voilà, et puis Tia cherche les mains, les hautes mains du top scorer, les hautes blocs. Du coup, c'est des fois difficile à marquer les points, mais là, Tia a trouvé une super solution à taper hautes les mains et puis faire un block-out. 4-1 pour le NUC. On a essayé à servir sur la 10. Il cherche nouveau Kyra, on joue rapide, Tia a trouvé une super attaque, c'était bien défendu de l'autre côté. Bien ça. Magnifique. Olivia l'a pu vers le jeu avec Kyra en 3 mètres, c'était un peu nouveau pour le bloc, du coup ils n'ont pas pu suivre, ça nous a mis un point, 5-2 pour le NUC. Ah, on va
par l'équipe adverse. Ils ont joué au centre. Il y avait un peu une erreur de connexion, mais la centrale a quand même réussi à mettre le point. 5-3 pour Tockenburg. On voit qu'il y a la nouvelle passeuse avec Tockenburg qui a laissé à jouer un peu agressif avec leur joueuse, ce qui permet de mettre des points. Une erreur du service qui nous permet de mettre 6-3 pour le Nuque. Super service. On cherche beaucoup la numéro 10, vu que c'est l'attaque principale en ce moment devant. On essaie de la sortir du jeu, ce qui permet, on peut se focaliser sur les deux autres. Vu que la passeuse est en amont avec le numéro 17, elle n'a que les options de jouer au filet avec la 5 ou la 10. Elle est un petit peu trop long. Ce n'est pas grave. 7-4, toujours pour le Nuque. Au service de Tockenburg, la capitaine, Dota Laura. Super réception de Kyra. Belle passe, et puis elle met une bombe. Voilà, on a joué rapide. C'est très dur de jouer, de fermer le bloc avec des passes rapides. Voilà, on va au premier timeout technical. Technical timeout, 8-4 pour le Nuque. First technical timeout for Nuke, leading 8-4. Had a great start in this set. We tried to play faster in our offense, which led to more open space and hitting. It's a great start. Hope keep that up. Alors, on revient du premier technical timeout, 8-4 pour le Nuque. À Tockenburg, la passeuse de position 3, donc elle a l'attaquant 5 et 12 devant. Voilà, la Nuque en P2, avec deux attaquants devant. Super réception, on joue avec le centre et puis Papa Martina. C'est très bien ouvrir le jeu, dès qu'on a la possibilité, avec une bonne réception, à ouvrir le jeu et puis ensuite laisser les centrales. Joli service de Livia. C'était bien battu. Incroyable point! C'est un point qui n'était pas facile, mais défendre des situations comme ça qu'on arrive à mettre les points. Premier temps mort par Tockenburg, 10-5. First time out by Tockenburg, 10-5. Nuke keeps playing, tries to play aggressive, even in hard situations, which leads them 5 points in advance. They really got trained through Lauren and Haley and Pablo to play aggressive, even in tough situations, which paid off pretty well today. C'est un peu la mentalité du Nuke, du coach Lauren et puis ses assistants, de jouer agressif, même dans des situations difficiles. Ce qu'on vient de voir. Super service! Joli service Olivia qui nous met 11-5. C'est vraiment une autre. Super défense de Mathilde. Icara. Ah! Ça touche le bloc. Deuxième arbitre qui montre, le juge de ligne, deuxième arbitre qui montrait toucher au bloc, point pour le Nuque, car elle a cherché haute les mains. Et effectivement, on marque 12-5. Super Papa Martina! La passeuse, elle a essayé à jouer, à
avec le centre, mais là, Martina elle était prête et puis elle a mis un super bloc. Premier changement. Un numéro 3. Tony Loredana est de retour à la passe. 13 à 5 pour le NUP. C'est pas grave, on essaye toujours à mettre la pression dans le service. C'est aussi un peu une mentalité qu'on reçoit de Lauren. C'est un peu le premier attaque qu'on peut avoir, donc des fois des erreurs, ça peut arriver. Super essai, il cherche nouveau Kyra. Picara avec le point. C'était très bien joué par Olivia. Il y avait plus peur qui attendait les pas sur Kyra, mais elle a mis sur Kyra. Picara a pris directement le point. Jolie défense, c'est joué avec le centre et puis on marque le point. C'est très bien en ce moment qu'on ouvre beaucoup des ballons. On joue avec le centre, on joue un peu partout. C'est souvent difficile pour l'adversaire à suivre après où la balle elle va venir et puis on ouvre pour les attaquantes. Ah, puis ça a touché. 16 à 6, on part dans le deuxième technical timeout. Second technical timeout for Nuke. Nuke is leading 16-6. We can see Nuke use one of their main weapons, which is the surf. We get a lot trained from the coaches to like surf hard, which paid off. It's always important to keep a hard surf. It's the first attack we can have. Sometimes mistakes happen, but today it's a really great serving game. Alors, on reprend après le deuxième technical timeout. 16 à 6 pour la Ligue. Oh, magnifique! Magnifique attaque de Kyra par la ligne, par Kyra par la ligne. C'est magnifique. Bien joué par Olivia. Elle a mis le speed dans sa passe. Donc, pour compter un, on continue à servir sur la numéro 10. Joli bloc de Tia et Martina. 18 à 6 pour le nuque. On voit qu'on compte le nuque, c'est très fort. Ça met l'autre équipe beaucoup de fois en difficulté. Là, il y a un deuxième changement pour la capitaine. Il y a Ina Wenchil qui reprend. Magnifique service de Kyra. L'autre équipe est beaucoup en difficulté à rester en ce moment. Free ball. Bien joué. Moi-même, des fois, la connexion n'est pas si bonne. On arrive toujours à marquer un point. Changement en nuque. Et à la numéro 12, Elise Boya qui reprend pour Tia Scambry. Elise, elle a joué en Ligue B, elle est passée et puis maintenant Liga, ça fait plaisir de la revoir sur les terrains de volley. Super service, il cherche un top scorer. Ah, l'arbitre, il a eu la balle au sol. C'était une super attaque de Martina ou une super feinte de Martina. 20 à 6 pour le nuque. 22-6 pour le nuque. On se bat vraiment. Il y a les deux équipes qui se battent beaucoup. Oh, magnifique attaque de Kyra, super bien. On a vu Tokenburg,
passent pas beaucoup, ils essayent. C'est le deuxième tour, 21-6. We can see both teams really try to fight hard. Nuke is breaking their reception a lot with serve at the moment, but they're still fighting for their points. It's 21-6. Number 12, Elise Boya, came in 2 points before for our top scorer, Tia. Elise played last year in our second, in our League B team. We're really happy to see her back in the courts. And we keep hoping that Nuke push this set further. Voilà, et puis on a un nouveau choix. On commence avec un changement. Il y a Xenia qui reprend pour Martina. Ah, l'arbitre, il n'était pas encore prêt pour le changement. C'était passé un peu rapide. Xenia qui reprend. Elle a joué le match contre Genève. Elle a fait un bon match. Incroyable service de Kyra. C'est vraiment un super service. C'est très dur à réceptionner. Ça flotte beaucoup. 22-6 pour le Nuke. Mal gratuite. C'est important maintenant d'ouvrir le jeu. Et puis, elle joue directement avec Xenia qui marque son premier point. C'était très bien joué par Olivia. Elle a directement mis la nouvelle joueuse, donc Xenia, en jeu. Et puis, elle a donné la confiance avec son face. C'était très, très bien. 23-26. On a laissé au toque de Bourg. Ah, jolie attaque par le centre. Elle marque le point. Numéro 12 au service, c'est une jeune joueuse qui est aussi à l'équipe suisse, des cadettes, malheureusement là avec une erreur, ce qui met pas le 7 pour le Nuke, 24-7. Et là on voit Xenia au service, elle nous a mis beaucoup de points contre Genève, j'espère en mettre un maintenant. Voilà, on essaie à finir ce set avec ce premier side out direct. Joli resté. Là, il y a un peu une malconnexion, mais ça a quand même marché. Et voilà, Nuke qui gagne le deuxième set, 25-8. Nous avons rappelé les ramasseurs de balles, l'ancien service. Je rappelle Anaïs, Nadia, Amélie, Chatmot. Merci. Merci de m'avoir appelé. Deux serveurs pour la Nuke. On voit que le deuxième set était beaucoup plus clair que le premier. J'espère que Luc va continuer. C'est des fois un peu dur après deux sets à garder le même esprit, mais on espère que cette fois ça va continuer. I try to speak a bit more English this time. Luc wins the second set with a good advantage, like a lot of points. The first set was harder or closer. We hope that Luc will keep continuing. Tottenberg tries to fight. It was really a tough reception game in this set. Luc has good serve, so we hope that the third set Luc can keep the serve. Thank you.
pour le début du troisième set. On ouvre un petit changement de le 6 du nuque. Il y a Xenia qui reprend pour Lauren. Et Kara qui reste pour l'équipe de Token Book. On commence comme en premier set. Nuke had another change when in their starters. Xenia takes the place from Lauren. Tokenberg plays like in the first set. Voilà, Nuki qui est en réception. First side out, straight for Nuke. Good pass by Kyra. We're allowed to play in the middle. It's really important sometimes to play over the middle that opens up for our outside hitters or our right side hitters. That was a great play by Oli. Le nouveau, c'est très bien d'ouvrir le jeu pour Martina. Et puis un bloc parti à 2-0 pour le Nuke. Donc une bourre campée 1, ça veut dire une attaquante diagonale qui est depuis la position 4. Jolie réception. Super défense d'une centrale Martina. Voilà ce qui nous merveille. Souvent les équipes, quand il y a les centrales qui sont dedans, essaient d'attaquer dessus parce que sinon, vu que c'est la libéraux qui joue, c'est un peu plus difficile pour la défense. Mais là, Martina a fait une super défense. Voilà, c'était très bien joué par Tokenburg. Elles ont fait une super réception et puis elles ont utilisé leur centrale. Numéro 14, Coach Martina. 3-1 pour la Nuke. Beautiful play by Tokenberg, who had a great passing, and they used their middle blocker in a fast setting. 3-1 for Vitales. Jolie réception, super passe. On voit par Kara. On voit vraiment que le Nuke essaye à jouer très rapide avec leur offense, donc même là, c'était très dur pour le bloc à suivre complètement. Nuke played really great offense, really fast, so it's really hard for the opponent to go over the block. Quatre à deux de Nuke, mon service numéro 14. Martina Pop. Super réception de Mathilde, on joue rapide. Pitya met le point avec une feinte. Il y avait un petit peu une mal connexion là. Betty, elle a quand même réussi à mettre un point avec Pitya. Elle saute très haute et puis elle est très grande. Elle a même pu mettre un point avec une super feinte là. 5 à 2. Nice serve by our top scorer, Tia. The other team tried to fight for it. Unluckily, they didn't get it. It was a nice hustle, though. Good job. Good fight. First time out by Tokenberg, 6-4. Là, on voit Tokenberg qui prend leur temps mort à 6-2. C'est un truc qu'on voit rarement avec le Nuke. Lauren, elle prend jamais des temps morts quand il y a deux. C'est plutôt une coach qui donne beaucoup de temps à reprendre des temps morts. Ce qui est comme joueuse, des fois, est très assurante. Et puis, ça met beaucoup en confiance. Alors, on reprend 10 à 2 pour le Nuke. 6-2 pour Nuke. Tia on the serve. Tia plays her third season for Nuke. We're really happy to have her on our team for our captain.
nice surf and straight the nets. Tia a super bon service, elle nous met directement une ace sur la 10. On voit que le nuque continue à servir sur nos joueuses sur l'ailière à numéro 10. Magnifique point par la top scorer de Tokenburg. Sagowski Gabriella, elle tape auto les mains, elle a vu qu'elle a un bloc très haut avec Kyra, puis elle a tapé auto les mains, puis elle a fait un bloc out. 7-3. Oh, c'est un peu différent. La top score fait une champ surf au lieu d'une flotte. C'est des fois un peu dur. Super bloc de Kyra. Elle a suivi la passeuse et puis elle nous met en premier. Temps mort technical 8-3. First technical time for Nuke. Kyra put the beautiful block against the setter, which tried to do a second tip. Nuke a pris un peu le lead avec 5 points. Ça marche très bien. On joue très agressif et puis très rapide, ce qui est très dur des fois pour l'adversaire à suivre. On utilise nos points forts, ce qui sont souvent un peu les attaquants d'ailière. Mais on voit qu'aujourd'hui, on joue beaucoup aussi avec le centre. On a des super réceptions, ce qui nous permet de jouer avec le centre et ouvrir le jeu. Xenia en service. Super service. Notre équipe un peu en difficulté. Ah, mais une attaque contrôlée du 10. On se bat beaucoup. Mais ce point va pour Tokenburg. A really nice play on the other side. A super swing by number 10. Nuke tried to put it up, but unluckily we had a no chance and the block was ready for the point. A-4. Number 10, the captain of Tokenburg. Condotta Laura is in serve. Donc une move qui se trouve en B, en P3, donc elle a que deux attaquantes, deux mondes. C'est sous les positions très importantes parce qu'on n'a pas beaucoup d'options en attaque. Super service d'Olivia. L'attaque qui va out. 10-4 pour le nuque. Et puis, changement! Il y a Alix Demichelli qui reprend la place de Chiara. C'est une nouvelle jeune qu'on a pu recruter en nuque. On est très content de l'avoir. Voilà, on essaie de mettre la pression. Cette fois, il était tout juste out. Nuke inside on MP1. So Kyra hits from position 2 and the right side hit from position 4. It's always a hard one. Straight scored. 11-5 for Nuke. 11-5 for Nuke qui prend un peu le lead avec 6 points là. Super service de Kyra. L'autre équipe est en difficulté. Mais une super block de Tia. Nice block from Tia. She waited on the top scorer. She knew that they were going to search her in like difficult situations and she was ready to block her. Un service chanceux, mais des fois, ils nous font un peu de la chance. Ils sont très durs des services qui touchent le bout de filet et les prendre parce qu'ils tombent un peu. On ne peut pas trop savoir comment ils tombent. Belle défense, super passe de Mathilde, et puis on marque le point. C'est des fois très dur, on a passé cette défense et la libéraux, mais avec Mathilde et Amanda, on a vraiment deux libéraux qui font des passes très très bien. It's really nice to see that our libéraux have great sets and put our hitters in great situation. Super play by Mathilde.
joli échange des deux équipes. Alix, elle a cherché les mains. Malheureusement, un petit peu loupé des fois. C'est, ça arrive, mais c'est un bon choix. Nuko P6. Toujours trois attaquantes. Super réception par Kyra. Ah, un peu. Le juste ligne, il n'a pas vu la balle. Touché, il y a l'équipe qui dit. L'arbitre, il essaie d'amener à Tokenburg. 14 à 7. It was a little misunderstanding with the line judge and the ref. The line judge saw no touch, so the point before went to Tokenburg. It's 15-7, Nuke is still in the lead. Great serve from Martina. They search the outside hitters. And they go with a 16-7 lead into the first technical timeout. Great play by Nuke. Both teams tried to fight back their ways. Tokenburg is hard and fighting, but Nuke took the lead. Voilà, on trouve le premier tournoi technical. Le Nuke qui prend le lead 16-7. On joue toujours très rapide, ce qui crée beaucoup de problèmes dans notre équipe. Ce qui est franchement pas facile quand il y a une offense si rapide ou des services très forts, c'est jamais facile. On voit l'autre équipe, Tokenburg prend un petit moment, se retrouver des forces. L'équipe, c'est souvent très important qu'on reste ensemble. C'est bien voir qu'on reste ensemble et qu'on essaye à revenir. Nice serve from Tina. Great defense by our middle blocker. We try to play straight with the middle, which is a great play by our setter. It opens. The top score from Tokenburg get her drop in front of the hole between the tall block and scores 16-8. It was really nice to see that after a defense, we straight try to play in transition with the middle blocker. On joue haute, super bloc, mais une soupe. Oh. Il y a eu un petit problème de communication entre Xenia et Olivia. Quand la balle va si vite, des fois c'est pas si facile, ça arrive, il faut rester calme et prendre le prochain. 16-9. Joli service, ça met mieux que peu en difficulté. Avec le super bloc du top scorer. Nice block from the top scorer. I'm talking about Gabriela. Did a nice block. They were ready. They made it on Tia, which at the moment is the main hitter in the front line. Great serve from the other team. They tried to put us in difficulty, but Olivia kept the fast offense and Tia scored a super nice long cross swing. C'était une bonne attaque. Olivia l'a fait rapide. On prend le lead de 17-10. Changement Tokenburg. Anouk Hermi, elle donne sa place pour le numéro 1. Jin Inaon qui reprend pour Anouk Hermi. Qui cherche super bien par Mathilde et puis Olivia laisse jouer avec la centrale puis ça a marché. Xenia block out. Nice play by Olivia. She tries to keep the middle blockers in play so that Tokenburg has to focus more in blocking, and Xenia did a great block out. 18-10. Nice defense. It was a close ball, but Olivia had a great block. Free ball for her side. Nice fast play in the free ball, and Tia scores the point 19-10. It was a really nice, good digging, good calling by Olivia for the free ball to let her hitter swing. Great play, leading 19-10. It's a joli point par le nu. 19-10.
Super service par Alix. Il échange. Une bonne attaque numéro 10 qui cherche haute des mains et qui met l'onzième point pour Dockenburg. Nice swing from number 10 from the captain. She went high hands and such a beautiful blockout. 1911. Super bel échange, on joue bien. Malheureusement, tout juste out. Bien vu par Mathilde. On a bien joué avec le backroom attack. Il y a double changement. Il y a Elise qui reprend pour Tia. Et puis il y a Lisa Müller, aussi une nouvelle joueuse au Nuke, qui vient de Lucerne, qui prend pour Kyra Holt. Ça fait plaisir. C'est que des jeunes Suisses sur le terrain. Ça fait beaucoup de plaisir à voir ça. Il y a rarement ça. Très beau. Maintenance. Two double subs. Elise Boyer took for Tia and Lisa Müller took for Kyra. Good serve from Elise. And a nice swing, nice defense, a really great play on both sides. What a swing! Lisa Müller pinches in pressure forceful. Really great play. Jolie attaque de Lisa qui vient prendre le poste de Kyra. Elle a fait une super bonne attaque avec le point pour 21-11. Dockenburg qui prend un temps mort. C'était très bien joué d'Olivia. Elle a directement mis Lisa en jeu. C'est souvent très dur quand on reprend des places de sentir en jeu après 2-7. Mais c'était très bien joué. Et puis on a vu que Lisa allait de près. Elle nous a mis un super point. Elle a joué l'année passée à Lucerne. Elle fait comme Alix. Elle fait des matchs avec la Ligue B. Et puis des entraînements avec la Liga. Et puis quand elle fait avec la Liga, elle va avec la Liga. C'est une super option qu'on a en Nuke d'avoir les deux équipes. Comme ça, peut bien jouer dans les deux. Et puis prendre l'expérience du jeu. Prendre service. C'était une jolie attaque du numéro 10, la capitaine Condata Laura. Nice swing by the captain Laura Condata, who searched a good ball. Maintien douce. Alors, ouais, la top scorer, elle fait de nouveau un champ surf. C'est comme une attaque, c'est pas évident chez les femmes, ou rarement chez les hommes, on voit beaucoup. C'était une jolie défense de Romina Schneider qui a bien pris. Donc, il y a une faute technique, malheureusement, les centrales de Tokyo ont touché une balle proche, un point pour nous, 22-12. Ah, tout juste out. Ça arrive quand on prend le risque au service, des fois les balles sont out. Nick really tries to keep up the risk and serve and put the other team in our situation, unluckily sometimes, with mistakes. Captain on the serve. Okay. It's a great serve. Try to play fast. Good swing. Unluckily out. Oh, there's a misunderstanding. The line judge sees a touch, but the first ref decided there was no touch. So, point for Dockenburg, 22-14. Great serve. We try to hustle for it. Okay. Mon service, l'équipe adversaire est assez vrai sur les deux nouvelles joueuses dans le jeu. Lisa Pialis aussi, Lisa c'est l'attaquante ailière principale, du coup il faut l'enlever du jeu vu qu'elle est devant. Super Estelle, c'est vite remis en jeu avec Martina. Belle défense de Romina Schneider. Ah, petite erreur de communication. Ça prend 22-16 pour Dockenburg. Little communication mistakes between the libero and number 12, 16-22. We can see that Dockenburg now tries to serve a lot on the new players who came in, put pressure on them. Great cover. Ugh, communication mistake a bit. But we try to stay calm and play easy situation. Good defense. We play nice.
Oh, unluckily, there's no touch seen by the ref, so this ball is out. Ah, puis de nouveau, on voit pas une touche, il n'y a pas eu de touche, du coup, 22-17. C'est très important à rester calme, se focaliser sur les forces du nuque. On revient dans le match, voilà, on prend le point, 23-17. C'est jamais facile, mais il faut rester calme, même si on perd 2-3 points. Et c'est aussi ce qu'on reçoit des coachs du NUC. Ils restent souvent calmes, donnent-nous confiance. C'est très bien. Jolie réception de Romina. Il fait le point par le Tokenbourg, 23-18. On voit Tokenbourg nouveau un peu plus agressif, avec un peu plus de confiance. Il se remet un peu. Il y a 23-18. 23-18, Tokenbourg now is back with a lot of confidence and try to score a lot of points. They're really aggressive. They came back. Jolie attaque. 23-19, on a essayé. Erreur en attaque. C'est important que ce salaire maintenant on marque comme ça. Bon service, il cherche vraiment super réception de Mathilde, bien joué au centre et puis incroyable attaque Martina, c'était magnifique. Voilà, fin du match. Je dis à tous les supporters qui sont assis sur le canapé, levez-vous comme dans la salle et puis criez ou non, faites un peu plaisir, même si vous n'êtes pas dans la salle, faites vivre un peu ce moment. Joli service, allez, prends le point, on finit avec une bonne attaque. C'est un excellent échange. Tokenbourg qui se batte beaucoup. Trop beau à voir. Super. Vas-y, on essaye. Joli. Voilà. C'est le point du match pour le NUC. 25-19. Beau match. Le NUC a gagné 3-0. C'est le premier match qui gagne 3-0. C'est très beau à voir. Tokenbourg qui se sont rebattus après un deuxième set très dur. Elles sont revenues. Mais c'est le NUC qui a décidé 3-0, 25-19. Alors, on passe aux cérémonies des meilleures joueuses. J'espère que vous avez eu le plaisir. On va encore rester un petit peu pour dire qui a fait meilleure joueuse des deux équipes. Il y a eu un peu des difficultés au début, mais là, on a trouvé. Et puis, j'espère que vous nous avez bien entendu. Voilà, c'est Sven Engel, le président du Club 50, qui va donner les prix du meilleur joueur. C'est aussi le papa du libéro Mathilde Engel. Voilà, pour Tokenbourg, c'est la numéro 6, Romina Schneider. Elle a joué en NUC l'année passée. So, best player Romina Schneider. She played last year for NUC. She did a great game. Nice to see her back in our court. The player for the MVP is given by Sven Engel. He's the brand of Club 50. And pour le NUC, Martina, qui a fait un super beau match avec des bonnes attaques, des bons blocs, bien mérité. So for NUC, number 3, Martina gets the prize. She did a great game, great swings, great blocks. It was really good to see her. Great victory for NUC, a 3-0 win. Helps the team. It like, gives you a lot of confidence. Alors, prochain match pour le NUC, ça va être à Chartouze à 4h30, dimanche le 21 c'est bien à la maison, ça sera le jeudi, une semaine, je ne sais pas quelle heure. Puis voilà, on sera joué à voir, c'est une bonne victoire. J'espère que vous allez tout bien, tous les supports de NUC, restez en santé, et puis ouais, stay healthy, et puis j'espère à tout bientôt. Ça faisait plaisir. Le commentateur pour aujourd'hui.